Pierre, salut les petits gars, on se retrouve sur... Sur la suite. Ouais, on va essayer de pas regarder ce pouce. Parce que voilà, le bricolage des fois apporte pas toujours des bonnes choses. Et ouais, ça va être peut-être un peu compliqué pour appuyer sur la barre espace. Enfin, quoique, le pouce, de toute façon, il a pas besoin de bouger. Ça devrait être bon. Si je fais des conneries, on mettra la faute sur le pouce. Eh oui, hein. On veut couper des choses, on va faire du bricolage. Normal hein, qu'on se coupe, non? Celui qui ne fait rien ne peut pas rien avoir. Eh ben ouais. Déjà, on va baisser la sensibilité de la souris. Voilà. Donc la dernière fois, je ne sais plus ce qu'on faisait. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on faisait déjà la dernière fois? Ah oui, on était rentré dans l'opéra et on avait été coursé par deux personnes. Waouh. Non. On est allé chercher deux personnes avec le portrait, c'est ça. Et après, on est rentré dans l'opéra. Ah, puis le verri... Oui, c'est ça. Ok, je m'en souviens. Il y a le caillou qui passe là. Le Veritas. Le Veritas, il nous poursuivait. Oui, ça y est. Tout me revient. Tout me revient. Donc, comme d'habitude, une heure de vidéo pour votre plaisir les plus sensuels. Où est-ce qu'on est là dans le manoir? Manoir de l'opéra? Attendez. C'est tout au début du jeu, ça. Venez, je vous attends. Ma prochaine œuvre sera incroyable. L'absorption totale de sa puissance. La soumission de sa volonté. Ce sera de l'art dans tous les sens du terme. Mais peut-on avoir de l'art sans public? J'ai besoin de vous pour que mon œuvre soit complète. C'est pas comme ça que ça va finir. C'est clair que c'est pas comme ça. Hey, il s'est mis le doigt bien profond là. Peut-être pas. Je sais pas, ça dépend. Ça va? T'es spectateur, c'est ça, hein? Ah oui, ben oui. Ah, le pauvre. Il voulait peut-être pas finir comme ça, hein? Oh là 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 là. Oui, 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 oui. Il va se passer des choses. Ah, il y a une boîte. Ouais. Plusieurs. Ok. Eh ben, autant se soigner un coup, hein? Ah ben oui, hein? Ah ben, qui ne le ferait pas? Enfin, voyons. Toi aussi, t'es là pour le spectacle? Ah ben, le spectacle, tu vas pas être déçu, mon gars. Et même les tableaux, ils sont en train de rentrer en mode... Vas-y, je te fais des choses bizarres, là. Ah oui, je crois que tout le monde m'attend, là. Je sais pas ce que je vais présenter. Allez. Tu veux que je te montre de quoi je suis capable? Alors, que je t'explique. La dernière fois, je t'ai dit que j'allais faire un spectacle de claquettes. Et finalement, j'ai oublié mes claquettes. Ça va pas être possible. Et je ne sais pas en quoi je suis fort. Eh, mais si tu veux que... Ah, t'es là quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Votre mort sera de là. C'est le moment d'y apposer ma signature. Ah non mais faut pas déconner mon gars, quand même. Non, tu mourras pas. Tu mourras pas, je te dis. On a tous un petit coup de chance, pas deux. Où est-ce qu'il est? Non. Qu'est-ce que tu croyais là? J'ai un fusil. C'est un exaspéré. Vous allez souffrir. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'il croit là? Il croit faire des choses. Commencez à m'exaspérer. Ah mais mec, tu crois que je vais me laisser faire comme ça? T'es un fou toi.
ni elle. J'ai appris à mieux tirer. Qu'est-ce que tu crois là? J'ai pas arrêté une balle. J'ai pas raté une balle. J'en ai assez. Tout dans la tête. Ah ouais, quand même. Avec le Veritas, t'es un mec comme ça, toi. Waouh. Pas s'exciter comme ça, mec. Hein. Ouais, je l'ai raté, ça, là, je l'avoue. Oh là 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 là, oh là là là. Le temps qu'il faudra. Waouh. Il fait des choses sensuelles, cet homme. Qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est Shadow. Non mais tu vas me laisser tranquille, oui. C'est à moi de faire ça avec le couteau. Oh là 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 là, cet homme. Mais je vais pas me laisser pépanter comme ça, moi. Hein. Allez. Ouais, peut-être ça là d'abord. Hein. Non. Non, 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 non. Ah, non, c'est trop risqué pour faire ça. J'ai que deux balles. Ah. Ah ouais, je crois bien. Ah, c'est vrai que je suis à 200%, je crois, un truc comme ça avec... Oula. Vas-y, recharge Castellanos, t'es trop lent. Ouais. Hey, t'as quoi à dire là? Ah non, je ne crois pas. Où est-ce que tu es? Montre ta vérité. Tiens. Ah, ça fait mal, hein. Attends, la prochaine fois, je vais viser là où tu penses. Vas-y, montre, montre-toi. Montre-toi. Ah non, non, non. Ah ben non, pas ça. Non, là, c'est pas drôle. Oh non, c'est pas drôle. Tu veux... Recharge! Ah, j'ai pu! D'accord. Attends, c'est pas vrai. C'est pas... Non, c'est pas vrai. Non, je peux pas avec ça. Ah, là, là, on commence à être un peu à court d'idées. Je vais pas dépenser des balles de ça quand même. Non. Enfin, on continue avec le pistolet. Hein. Alors là, il faut courir. La tête. Ah. Il s'est téléporté avant le cochon. Mais je ne cours pas. Tu veux faire quoi avec ton petit appareil photo là? Il a encaissé. Mais Veritas, c'est pas content. Ah, il part. Ah bah ouais. Vous avez vu ça, le professionnel? Je me suis amélioré quand même. T'as un coup de chance. J'avais encore tant à créer. T'inquiète pas. Tu veux goûter à mon pipeau? Vous avez détruit mon testament au monde. Regardez-moi. Ah oui, effectivement, le pipeau, il est vous mal passé là. Vous avez fait de moi un chef-d'œuvre. Est-ce que tu veux mon pipeau sur ton front? Ça ira mieux. Si seulement j'avais mon appareil. Où est-il? J'aurais tendance à dire entre ton autre jambe, mais ce serait un peu vicieux pour lui. Ah, ça fait du bien quand même. Oh là 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 là, ça fait du bien. Encore. Eh oui, il prend son appareil photo. Pouah. Pour une. Non, non, non. Dernière. Non, 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 non. Ah, pour une photo, ah, d'accord. Je pensais qu'il voulait dire autre chose. Désolé. Oui, oh, t'inquiète pas, c'est bien moi. Peur, ma chérie. C'est moi. Non, c'est pas un fantôme. C'est Et si je te dis que je suis pas mort? Non, de non. Tu veux un spectacle de claquettes? Tu vas voir si je suis pas mort. Lol. Chérie, je sais que c'est ce qu'ils t'ont dit, mais c'est faux. Ellie, s'il te plaît,
sors de là, Aligny. Tu n'as pas à te cacher. Ah non, pas encore. C'est qui ça? C'est une nouvelle? Après le bonhomme? Après le photographe? Qui est la poseuse? C'est ça? Ah ouais, celle-là, elle a l'air très sensuelle. Viens voir maman, Lily. Je te protégerai. Mira. Waouh. Va-t'en. Tu ne l'auras pas, tu m'entends? Ah oui, Mira, effectivement. Tu es devenu vraiment très... très sensuel, hein. Tu es passé au Yamete, c'est ça? Mira est passée au Yamete. Ah là 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 là. Misère et de misère. Mira. Je serai là pour vous. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous. Kidman. Elle était au courant pour Mira. Ok, le chapitre 9, un mal, encore un autre mal, toujours mal, ça ne s'arrêtera pas, quoique, nous allons pouvoir voir, ah ouais j'allais dire, n'allez pas là, hein. N'allez pas ici, hein. C'est un leurre, même le chat il n'est pas là. Je crois que je suis atterri à un endroit peu ordinaire. Où est le miroir? Oui, 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 oui. Tatania, elle aurait peut-être fait des choses en derrière de moi. Oui, 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 oui. Tatiana, elle voulait peut-être invoquer autre chose. Où est-ce que je suis? Ah, j'aurais peut-être pu aller de l'autre côté, hein. Sur la gauche, là, avant de venir ici. Mais ouais. Ce symbole me dit quelque chose. J'ai dû le voir dans le vrai monde. Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. J'ai dû oublier. Si c'était dans le premier, j'ai dû oublier. C'est quoi, c'est le garde-manger, ça? Et dites-moi, c'est pas un mode très normal, ça, hein, quand même. Ouais, faut mettre, je sais pas, moi, un peu de sel ou un truc comme ça. Là, ça va attirer les bactéries, ça. Ah non, mais déjà, Astralin, c'est déjà les bactéries, là. Là, il y a les vers et tout ce qui suit, là. Ah, moi, je touche pas ça, hein. Ils s'en foutent, hein. Ah non, 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 non. Si c'est un vrai restaurant, ça va mal finir, ça. Est-ce que c'est la boucherie? Bienvenue, quêteur. Vous venez chercher des réponses. Je suis là pour vous aider. Ah. Qui est là? Est-ce que Tatiana est ici? Ma première question est... Est-ce que Tatiana, elle est là-haut? Ah oui. Ah d'accord, j'ai cru que c'était une tête qui me regardait. Terre, les terres, les terres.
Ça s'arrange pas avec le temps. Ça s'arrange pas avec le temps. Ah dis donc, j'ai utilisé pas mal de... ouais, peut-être après. Hein. J'ai utilisé vraiment beaucoup de balles. Ah ouais, effectivement, je viens d'y penser. Autant recharger maintenant. Parce qu'après, ça risque d'être pas bon. Explosif, hein. Ouais, carrément. Ok. Je ne joue pas avec le feu, moi. Non, mais... ah, je suis sûr qu'on peut passer par là. Je vais d'abord voir ici. Merde. Oula. Ils ont fait des choses très sensuelles ici. Torture. Ces trucs datent du Moyen-Âge. Nice. Bah, ça, c'est la chaise d'étirement. Ouh là 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 là. Mais c'est une salle de massage. Mais oui, c'est les nouveautés de sa... ah non, non, c'est pas une salle de torture, hein. C'est une salle de plaisir. On dirait qu'il a été brûlé vif. Ah, et en fait, ça, c'est pas de la chair. Ça, c'est la pommade. Eh oui, je comprends mieux, c'est le masque. Ouais. Non, mais faut voir les choses comme ça. Finalement, non, je vais pas aller là d'abord. Oh, le... eh oui. Bonjour. J'aime bien parce qu'il donne plusieurs endroits à aller en même temps. Et allez, je vais y aller. Je vais y aller. Ouais. C'est pas très sain tout ça ici. Hein. Non, c'est pas sain du tout tout ça. Hein. C'est quoi, c'est le hammam? Eh ben dis donc, ça a bien régressé tout ça ici. Si je dois me baigner là-dedans, je préfère encore. Je préfère encore la salle au plaisir. Ah mais regardez, ils étaient bien ici. Ils se sont fait masser avec la pommade. L'autre, il s'est fait de l'acupuncture. Ah, ici, c'est même l'acupuncture de l'orteil jusqu'aux cheveux. Eh ben oui. Ah ben ouais, ça doit être bien là-dedans, côté. Hein. Vous avez des petits mâles par-ci par-là. Le mal est réglé au moins. Le mal par le mal. Ah ah. La statuette. Dites-moi qu'il y a une statuette. Oh. Alors toi, franchement, tu crois que je t'ai pas vu? Non mais faut arrêter les bêtises hein, quand même. Lui, je vais lui mettre un petit coup de... dans la tête, là. De 160%. Yeah. Non, mais... hein. Pour arrêter les bêtises, quand même. Eh ben, ouais. Ah. Bon, ben, comme je suis plein, autant en profiter. Ok. On repart en arrière. Pensais avoir une petite statue pour une clé. Et ouais, c'est bien beau de rêver. Okay, mais il faut se calmer ici, hein. Ok, je sens le drame là qui va se passer. Et ça sent pas bon. Ok, c'est bon.
C'est des petits morts-vivants. Rien de spécial. Oh le. C'est quoi, c'est les vilains qui s'amusent là avec les fouets. Ah lui il doit être attaqué. Ah ouais. Ah ben. Ça va, ça s'amuse bien ici. Ah, il y a une statuette. Ah, il y a une statuette. Ah, elle, il faut que j'y aille. Un livre. Comment je vais faire ça? C'est un truc automatique, d'accord. Donc j'active un mécanisme qui va ouvrir ça. Ah ouais. Évidemment. Évidemment. Oh, d'accord, ils sont deux. Pas ici, pas ici. Mais Castellanos, qu'est-ce que tu fous? Mais oui, c'est bon, calme-toi, on a compris. J'attends ton conjoint là-bas, là. S'il veut venir, parce que là, il est en train de faire du théâtre. Enfin, si je vais pas le chercher, c'est mort, hein. Évidemment. Mais non. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut se calmer, enfin, voyons. Mais... Excusez-moi. Mais oh là là, Castellanos, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Mais tu es vraiment dissidente aujourd'hui. Mais je... Bon, allez, hein. Il faut arrêter les conneries. Il faut savoir arrêter, monsieur, hein. Attraper derrière un mur. Quand même, hein. Tu viens, toi? Allez, viens. C'est ça, approche. C'est ça. Ouais, que ça marche bien. Vous voyez que ça marche bien. Les compétences servent à quelque chose. Ok, bon. Évidemment. Ici, on va pas faire plus que ça. Oulala, mais c'est qu'il y en a partout ici. Je pourrais... non, c'est gaspiller une balle en plus. C'est ça. T'excite pas. Reste tranquille. Mais non. Castellanos. Mais... Ah non, 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 non. Comment gaspiller autant de balles alors que la cible a été facile? Ouh. Alors lui, il l'a senti passer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah ouais, là c'est, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, t'en veux une? Est-ce que t'en veux une? Ça tu te fies pas, c'est ça? T'en veux une autre? Y a pas de souci, mon gars. Ils en veulent plus, hein? Évidemment. Oh oh. Harponneur. Je préfère la faire. Hier. Yeah. Ça va ouvrir les cellules. J'ai quand même anticipé. Ouais, c'est bon, on a compris. Ça déverrouille les cellules. Mais j'ai anticipé. Tu vas me dire que lui, il n'était pas mort. Tu vas me dire qu'il n'était pas mort. Mais sérieusement. Ah bah oui, il avait un masque, normal. Mais qu'est-ce que t'as, Yanos? Mais qu'est-ce que tu fous, franchement? Fèche, mais... Mais... Ah là.
Bon, il faut arrêter, monsieur, hein. Quoi, ça? On fout ici, là. Ah, vinguette. C'est mort vivant de nos jours, hein. C'est vraiment plus drôle, tout ça. Ah, c'est que j'ai plus beaucoup de munitions, moi, avec toutes ces conneries. Et ouais, c'est ça, le truc. Deux bouteilles. Bon, tu me diras... Heureusement qu'il y a les bouteilles, parce que dis donc, je sais pas combien de fois je serais mort avec ces clairs. Hein. Oui? Viens, viens. C'est ça, viens. Oh oh! Oh là 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 là, cette action! Cette action! Il pouvait rien faire, c'est évident. Mais avant d'aller par là, quand même, hein, je vais inspecter les autres parce que j'ai vu la statue. Ce serait... Ok, l'autre, il est là-bas en train de d'avoir mal à la tête. On va pas l'embêter, quand même. Où est-ce qu'il est? Ok, lui, il fait le mort. Non! Non mais... Il croyait qu'il allait retourner? Eh oui! J'ai acheté une compétence, moi, monsieur! Je peux attaquer de loin! Ok, une petite clé. On va quand même pouvoir élargir un peu les horizons. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, une bouteille. Yeah, trois bouteilles. Non mais... Ça va pas, la tête? Piétiner, mais vas-y, piétine! Ouh là là, ce temps de réaction! Castellano, ça va pas là, hein! Et est-ce que vous croyez que lui, je peux le piétiner comme ça? Il a l'air mort, hein! Eh non! Il faisait le mort! C'est différent! Ok, là, ici, je la vois. Bon, enfin, si. Et oui, bien sûr, il va se mettre super loin. Mais viens. Viens, Pépère. Viens. Ne fais pas l'andouille, là. Ah, il va repartir, hein. Eh, ouais. Non, ça marche pas, il faut mettre espace. Ah oui, c'est ça, c'est espace. Et ouais, pour attaquer de loin. Ok, donc ça fait... Ah non, ça c'est de la poudre à canon, je crois que c'était une bouteille. Le problème, c'est que j'ai 4 balles, oh, c'est mieux que rien. Oula. Alors, on a dit c'était espace pour attaquer de loin. Mais non. Ok, il faut rester appuyé sur espace et F en même temps. Ok, 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 je comprends mieux. Il fallait tester, hein. Papier brûlé, soumis à la liberté. 1. Résister est dans la nature humaine. Qu'il s'agisse de résister au changement, à l'autorité ou au désir, mais le prix à payer, mental comme émotionnel, pour cette résistance, dépasse souvent les bénéfices engrangés. L'univers, par sa construction, est bien trop organisé, trop parfaite. Comment pourrions-nous croire qu'une telle perfection soit le fruit du chaos? J'émets l'hypothèse d'un plan, pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Certains disent que ces choses a ses raisons. Certains appellent ça le destin. Quoi qu'il en soit, malheur à ceux qui tentent de lui résister.
bof. J'aurais voulu une autre pochette que ça, moi, mais bon. Ça va, c'est pas mal. Hein. Je vais pas me plaindre non plus. Hein. J'aurais plutôt préféré une pochette de fusil pistolet, une fusil à pompe. On ne peut pas tout avoir, c'est ça. On lâche. Ok, il s'arrête. Je pensais que ça allait retomber tout en bas. Ouh, vas-y, tourne. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Ah, un opérateur, d'accord. Ah oui, mais on n'a pas de carte. Ouais, là je le sens pas. Je sens le monstre qui va arriver tout au fond là. Oh oh. Bonjour. Je suis le docteur. Ah, la piqûre. La piqûre. Oula monsieur, je dois dire que cette opposition est très intéressante. Ouais. Ah bah oui, je peux comprendre. Allez, s'il n'avait pas de toilette. Évidemment, ouais. Ça se comprend. Hein. Tout le monde mourrait dans cette position sans toilette adéquate. Vous voyez, là, par contre, il y a des toilettes adéquates. Il n'y a personne. Faire. Hein. Attention, hein. Je retiens ces mots-là. Monsieur? Oh, il était pas mort. Non, 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 il faut se calmer. Il faut se calmer, j'ai dit. Ça fait toujours le mort comme ça. Hein. C'est intéressant. Hein. Ils veulent faire leur intéressant. Ah. Ah, lui aussi, il avait les toilettes défectueuses. C'est un peu normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, je suis là. Je vous en prie, je sais que vous êtes là. Je suis là, t'inquiète. Je viens pour ma récompense. Non, je suis toujours là. C'était pas vrai. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est ça. Je vous en prie, je sais que vous êtes là. Je ferai tout ce que vous voulez. Je vous en prie. Je pense que si j'avais été là plus tôt, mais elle aurait fait tout ce que je voulais. Ah, c'était un désarroi. J'aurais pu lui demander. En plus, il y avait un lit. Eh oui. Ah, l'éther. Arrête de penser à ces genres de choses. La pauvre. Et ouais, c'est tout ce qui en reste. Alors qu'elle aurait pu servir à beaucoup d'autres choses. Hein. Ah, misère. Ouais, quelques heures, quelques jours plus tôt aurait suffi. Pauvre femme, j'aurais pu lui assouvir à tous ses désirs possibles. Mais ouais, tant pis, hein. On aura peut-être l'occasion avec quelqu'un d'autre. Ouais.
Castellanos, il fait n'importe quoi aujourd'hui. Ouais. Lui, il croit que je l'avais pas vu. Alors, rien que pour ça. Rien que pour ça. Attention. Retiens ta respiration. Surtout, ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Lester, tu viens de gaspiller une balle juste pour un simple monstre. Je sais, mais c'était tellement... Je pouvais pas résister. La tentation était trop forte. C'était juste pas possible. Ouais. C'était une cible... Eh non, je pouvais pas. Non, c'est pas possible. J'ai même pas regardé qu'est-ce que j'ai looté sur lui. Je crois que c'était des balles. Je sais pas. Je sais pas du tout. On avance bien là, non? On a rencontré... Marie? Vous devez descendre pour trouver ce que vous cherchez. Ce n'est qu'en vous pourrez vous élever à nouveau. Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Marie. Qu'est-ce qui se passe? Mais sa femme, hein. Voilà. Je sais plus le nom de sa femme. La maman de Lily. Voilà, on va l'appeler comme ça. La maman de Lily. Oula! Oh le dos. En plus sur le fusil. Ah et là ça n'a pas amorti du tout, hein. Encore quand vous tombez sur le dos ça va, mais quand vous avez un fusil comme ça dans le dos il y a toute la vie qui passe là normalement. Bon, et ben la maman de Lily. Vous avez tout perdu. Vos échecs. Et ensuite vient l'autodestruction. Au toit. J'ai presque envie d'utiliser une balle. C'est gaspiller une balle parce que je sais c'est scripté. Ah, j'ai tellement envie d'utiliser une balle. Ah! Ah, finesse, je savais que ça servait à rien. Ah, t'as gaspillé encore une balle pour rien. Je pouvais pas résister. Oh! Vous avez causé. Superman. Oh lolo. Mais comment ça se fait qu'ils ont des pouvoirs pareils? Tu as refusé de voir. Tout est tu as raté. Attends, elle s'est transformée en Mayamete, la femme. Mais oui, c'est ce qu'on va voir. Tu l'as sauvé. Faut pas écouter. Vous avez la clé pour apaiser. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un saucisson? C'est ça, il veut peut-être le sauciflard, hein. Et j'ai pas le pinard par contre. Non. Ah mais lui il doit en avoir le pinard, ben oui. Si c'est que ça, il y a un truc à la fenêtre là-bas. Ah non, ça clignote, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est mon imagination qui me jette des tours. Vous ne pouvez pas changer le passé. Seulement l'accepter. Embrassez-le. Ne l'évitez pas. C'est... Non. Lily. Non. Voilà, non mais... C'est évident. Oh le. Qu'est-ce que tu es, toi? Oh, non, mais là, j'ai plus de balles. Hein. Si tu veux que je me bats comme ça, ça va pas être faisable. Hein. Oh là là, il veut vraiment que je me bats contre ça. Hein. Ok. Ok, ça marche pas, hein. Non, ça marche pas, évidemment. Non, je veux pas un câlin, d'accord? Laisse-moi tranquille. Ok, vas-y, prends vite, c'est ça. Hop. On a le harpon. Vas-y, recharge.
Mais non, le harpon, j'ai dit. Pas n'importe quoi. Tiens! T'aimes ça, hein? Oh, le cochon! Oh non! Oh! Mais non, c'est pas possible! On se relie pas comme ça! Mais non, mais arrêtez! C'est des méchants! Voilà! Ah, parce qu'il se met en flamme! Eh ouais! Ah, mais il croit que c'est le phénix ici! Oh là là! Mais je veux pas de ton câlin là! Ah là là, j'ai pas rechargé, mais quel débile! Ah, j'ai pas de balle, ben oui! Ouh! Attendez, je réfléchis, hein! Messieurs, s'il vous plaît! Mais c'est les monstres, je réfléchis! Alors patientez s'il vous plaît. Le Castellano s'y cherche une situation. Voilà. Ah, on peut avoir les deux là. Tiens. Oh. Ah oui, attends, j'ai pas rechargé. Voilà. Ah, mais non. Mais laisse-moi tranquille. La trousse. Ah, tu veux charger? Tiens, moi aussi je peux charger. Attends, il y en a encore un autre. Ouais, c'est ça, tu peux sourire. Hein. C'était angoissant. Hein. C'était une situation presque désespérée, j'aurais tendance à dire. Ah, misère. Pourquoi ils s'en prennent tous à moi comme ça? Ils peuvent pas jouer un jeu de passe-passe, un truc comme ça entre eux, non? C'était trop demandé. Je sais pas, moi, venez. Stefano m'a défié. Il est devenu une épine dans mon pied. Une épine que vous avez ôtée. Pour ça, vous serez récompensé. Ouais. Stefano. Ce type le connaissait. Alors, comme récompense, tu peux garder ma femme Yamete, hein? J'en avais plus, non, c'est non, franchement, non, je n'ai plus envie, j'ai plus de pulsion pour elle. Par contre, je veux bien que tu me redonnes ma fille, et puis comme ça, on te laisse à ce petit paradis d'ici, et puis moi, je retourne avec ma fille là où j'étais avant, hein? Ah ouais, dans mon bar en train de picoler, et elle qui va à l'école, hein. C'était bien cette villa d'avant. Tatiana. Elle est là, Tatiana. Ok. Tatiana, j'y arrive. Ah oui, bah oui. Eh ben ouais. On pourrait prendre Tatiana avec nous. Ben ce serait pas mal quand même. Eh, moi je dis pas non. Hein. Ça va le chat? Eh non, le chat il est plus là. Eh ben oui. Il a eu peur. Mais après, quand on voit ça, un peu normal, hein, quand même. Ok. La sauvegarde. Allez, on va aller voir Tatiana. On a plein de choses à lui dire. Tatiana? J'ai une clé. J'ai la clé. J'ai la clé de ton cœur. Tatiana? J'ai la clé. Comment puis-je vous aider, inspecteur? J'ai la clé. J'ai la clé pour ouvrir. Ah non, mais j'en ai qu'une en fait. Hein. Eh, il va m'en falloir encore 5. Eh, parce qu'il y a la petite qui est juste là, hein, mais je pense que Tatiana veut plutôt la grosse. Hein. Eh ben oui, c'est évident. Cet endroit que je traverse, c'est l'enfer. Littéralement. Tellement de douleur et de mort. Oui, il vous faudra de la force pour l'endurer. De la force et de la volonté. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Vous venez à peine de commencer à tester vos limites pour sonder les profondeurs des raisons de votre présence. Pourquoi suis-je ici? Je suis là pour sauver Lily. Oui. Mais pour réussir, vous devrez surmonter d'autres défis. Ouh là là, des défis. Je sais que mon bureau est... Si c'est que ça...
Je suis prêt à passer tous les défis que tu voudras, Tatiana. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Ok, regardons un peu tout ceci de tout cela. Bon, la furtivité, ça va, on est au top. Ouais, ça va, on est plus qu'au top, la furtivité. Par contre, c'est le combat, j'aurais bien voulu augmenter plus, mais... Ah non, on est à 200% déjà. La stabilité, c'est vrai que ce serait pas mal. J'en ai besoin, je crois bien. J'en ai bien plus que besoin. Moins de recul. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Moins de recul. Ouais, je pense qu'on va augmenter ça. Il serait quand même temps. La santé, issue total. Après une mort, ok. L'agilité. Ouais, c'est vrai, on pourrait, mais bon, c'est pas pour tout de suite. C'est pas très, très indispensable. Ah bah, on va augmenter le recul. Hein. On va augmenter le recul. Le recul à la stabilité. Allez, c'est parti. Voilà, parce que l'éther, il a besoin de plus de... Ouais. Je sais, je suis pas un bon tireur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Je peux rien. Je peux rien. Alors, la droite ou la gauche? Allez, la droite. J'aurais dû dire la gauche. Ouais. Mais tant pis. Bon ben Tatiana, hein. Non, ça va? Oui, ah, tu penses à ce qu'on pourrait faire, c'est ça, hein? Ça sera pour plus tard. Bon, allons regarder un petit peu les optimisations, ce qu'on peut faire. En même temps, faire un petit peu de munitions. Alors, fabrication, non, amélioration. J'ai 200. Alors, fusil, précision. Ah mince, ouais. Il me faut un... Non, j'ai pas. Il serait peut-être temps. Temps de recharge, cadence de tir. Ouais, quoique. Attendez, pour le petit fusil, cadence de tir, peut-être, c'est pas mal, non? Ça coûte combien, ça? 20. Pas cher. Permet de tirer plus vite. Ouais, je sais pas trop, en fait. On peut gagner combien, là? De 50, on passe à 25. On gagne pratiquement la moitié de temps. Temps de recharge, non. Franchement, non. On va prendre ça. Voilà. Après, c'est du 50. C'est pas trop cher. Après, 120, non. Au moins, pour du 7 balles, c'est pas mal. Pour du 8 balles. On gagne 2 balles, c'est déjà mieux. Voilà. C'est 2 balles toujours gagnées. Petite sauvegarde et puis on y retourne. Hop. Et voilà. Bon ben vous avez vu dans cet épisode qu'il y avait beaucoup plus de... comment je pourrais dire ça? Beaucoup plus d'action que de farm finalement. Ah là il va y avoir le fight encore. Hein. Et ouais en plus il y a les bonnes statues là. Elles présentent leur bougie, ouais, c'est sûr. Il va y avoir du gros fight. Elle présente carrément un morceau de bras. Ok. Fermé. Il y a sûrement un moyen de l'ouvrir. Ouais. Pour le moment, on va pas ouvrir ça, hein, Castellanos. On va pas déconner quand même. Ah ouais, j'aurais pu faire une... Ah, bah tant pis. Hein. Une trousse de soin, c'est toujours utile. C'est quoi, c'est le bain? C'est pour se purifier, c'est ça, hein? Eh non, mais c'est sûr. Non, je suis désolé, je vais pas me purifier là-dedans, moi. Ça va pas la tête. Non, mais vous êtes fous, vous. Moi, je rentrerai jamais là-dedans. Même pour rentrer chez moi avec Lily, c'est même pas la peine. Hein. Je rentre pas là-dedans. Non. Après, si je dois me baigner là-dedans pour hériter des pouvoirs qu'ils ont eux, moi je sais pas, non. Que dis donc, la violence, quoi. Moi, à part les fusils, j'ai rien de spécial. Ah, c'est les gouvernails, c'est ça.
Ok. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Ok. Celui-là, c'est que pour celui-là du milieu. Celui-là, c'est pour celui-là du milieu et celui-là du droit. Non, enfin du haut, on va dire plutôt. Ok, je comprends mieux. Ok, j'ai compris. Donc, il faut que je fasse d'abord celui-là. Voilà. Après, il faut que je fasse celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là de gauche. Hop. Là. Et après, celui-là. Mais non, mais... N'importe quoi. Mais vas-y, mais tourne. Misère. Il est fou ce Castellanos là. Et encore une fois. Voilà. Hop. Et maintenant le premier. Et ça devrait être suffisant. Et voilà. C'est du sang, n'est-ce pas? C'est ça les nouveaux symboles de religieux maintenant? Eh ben dis donc. C'est pour invoquer la grosse bébête. Le vampire. Vous aimeriez bien que ce soit un vampire, n'est-ce pas? Non, mais je vous comprends. Hein. Il y en a, ils aiment bien les crocs des vampires. Pour faire des choses, hein? Bande de petits cachotiers. Non, mais c'est ça, c'est le vampire qui va venir. Hein. Tant que c'est une vampiresse, ça va. Tant que c'est pas un. Et un mâle vampire, moi ça m'intéresse pas en fait. Ouais, non, c'est pas mon truc les mâles vampires. Ah ben là il y a une plante, mais j'avais pas pris la plante. Et vous voulez que je me purifie là-dedans, hein? On va pas la tête quand même, hein. Bon. C'est parti, on va aller voir la vampiresse. La vampirette? Ouais, la vampirette, on va dire ça plutôt comme ça. Mademoiselle la vampirette, je viens réclamer mon dû. Alors, je dois vous dire que j'ai aimé la façon dont vous utilisez vos... Ouais. Avant ça, on va regarder quand même. Ça m'a l'air d'être une sacrée arène tout ça. J'ai pas beaucoup de munitions. J'ai pas fait de munitions. Quelle naze. Oh là là. Sébastien Castellanos. Vous voilà enfin. Je vous attendais. Et vous êtes qui? Mes fidèles m'appellent Père Théodore. Ah, c'est pas le Père Noël? J'espère que vous y viendrez aussi. Mon ami. Ouais, quand même. Je vois, encore un taré qui se prend pour Dieu. J'en ai déjà tué un comme vous aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. C'est comme ça que vous réglez tous les problèmes de votre vie. Par la force brute et l'intimidation. Et regardez où ça vous a mené. Dans un enfer que vous avez créé. Baissez votre... Utilisez votre tête au lieu de vos poings, une fois. Nous avons le même objectif, Sébastien. Nous pouvons nous entraider. Rejoignez-moi. Vous retrouverez votre fille. Je pourrais partir aussi. Et moi, eh bien, j'aurai le pouvoir du noyau. Je sais déjà qui elle est. Ouais. Et Mira ne la lâchera pas si facilement. Où sont-elles? J'aimerais pouvoir vous le dire. Mais vous n'êtes pas prêts. Voilà, vous c'est ce qu'on dit toujours. Mes fidèles ouailles avant que je puisse vous en dévoiler. C'est toi qui vas intégrer mon gueule, tu vois. Je peux vous mener hors de vos propres ténèbres.
je peux vous mener à Lily. Désolé, je ne suis pas l'un de vos fidèles. Ouais, c'est ça, bien dit. Tu vas devenir mon fidèle, toi, tu vas voir. Ah, ça crevait, j'ai même pas fait de munitions. Vous souffrez tellement. Vous êtes constamment hanté par les événements du passé. Je vous ai montré la voie. Vous devez comprendre que je suis là pour vous aider. Revenez me voir de votre plein gré. Alors nous pourrons adopter nos rôles naturels. Pas en tant que personne, mais en tant qu'allié. Nous nous reverrons, Sébastien. Le baptême. Ça y est, je me suis fait baptiser par le sang. Oh my god, j'ai savé que ça allait arriver un jour. Attends. Eh ben, enfin réveillé, c'est pas trop tôt. C'est qui, c'est Lara Croft? J'aurais bien besoin d'un petit coup de main. Tu sais te servir d'un flingue, pas vrai? Ah, tu veux bien me donner ta mitraillette? Ah, il faut que t'apprennes à viser. Canardelez jusqu'à ce qu'il crève pour ouais. Plus de munitions. Je suis mal placé pour parler. Je fais pas mieux moi non plus. Qu'est-ce qui se passe ici? On parlera plus tard. Contente-toi de rester en vie. Ouais, ouais. Vas-y, tire. Ça, espèce de sale fils de pute. Ah ouais, d'accord. Mais hé, défends-toi, poulette. Elle va se faire tuer si ça continue là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vise la tête, économise les munitions. Ouais ouais, c'est ce qu'on me dit toujours. Mais j'arrive pas à viser la tête. C'est ça le problème. C'est pas ta première fois. Non. Plus la force. Vite, fais le plein de munitions. Il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Ah ouais, bah dis donc. Mais j'aurais besoin de réponses quand tout ça sera fini. Bon bah dans ce cas, on va les laisser venir, hein. Voilà. Oh là là, ce ratage de balle. Il se relève lui. Couché, on a dit, hein. Ah non, pas elle. Mais tu vas toucher la tête, oui. Sacre bleu. Oh là là, ce gaspillage. Ça perd l'hypopète. Bordel, ils sont partout. Ne les laisse pas t'en circuler. Ok, il y a une balle là. Coco, non, non, mais laisse-moi passer. Oh là là. Laissez-le. Oh non, non, laisse-moi tranquille. Ouais, enfin bon, c'est vite dit aussi, hein. Ah, elle va se faire avoir, hein. Allez, c'est sûr que c'est pas avec un défenseur comme moi qu'elle va aller loin. Attends. Voilà, je vais te soigner. J'ai fait ce que je peux. Désolé. C'était quoi ce bruit? Oh merde. Ouais, je sais pas. Attends, je vais utiliser une pommade là. Voilà. Ah non, pas lui. Alors lui, on sait comment il faut faire. C'est comme ça. Oh là 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 là. Mais non, mais. Il change de munitions, voyons. Voilà. Après, on passe. Et voilà. Et allez! C'est bon, elle l'a tué. Ça va, Lara Croft? Ok, attends, je reviens, je vais chercher une munition de là. Viens, il faut qu'on bouge. Par là.
Voilà. J'ai tout pris, c'est bon. En fait, c'est pas... Ah, c'est femme. Ah, tu t'appelles femme. Ah, ben dis donc. Ah, c'est sûr que... Merci. Je ferais pas deviner. Je m'en serais pas sortie toute seule. Ah, bah, t'étais bien partie en tout cas. Je m'appelle Esmeralda Torres. Moi, c'est... Sébastien. Je sais. Le danseur de claquettes. On dirait qu'on les a eus. On ferait mieux de bouger avant qu'il en arrive d'autres. Comment j'ai atterri ici? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de poser des questions. Ma planque est pas très loin. On discutera en route. Viens. Prends ce qu'il te faut. Je t'attends dehors. Ok, d'accord. Ah, quand même. Il me laisse quand même reprendre tous les trucs. Hein. Bon, de toute façon, j'ai tout pris. Hein. Ouais, j'ai tout pris. Bon, ben, c'est parti. Hein. On va quand même recharger un petit coup, hein, tout de même. Oh oh. Fais pas de bruit. Il pourrait y en avoir d'autres. Dis-moi au moins comment tu connais mon nom. Kidman m'a demandé de garder un œil sur toi. Kidman. Elle a dit qu'elle essaierait d'obtenir ton aide si le plan foirait. Et tu es là, donc... Attends, je suis perdu là. Quel plan? Sortir Lily de là et éliminer Mobius une bonne fois pour toutes. Uh-huh. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais pars pas comme ça quand même. Attends, je suis un cas désespéré, moi. Je sais pas me battre, moi. Des fois, le... Merde. Laisse-moi deviner. C'est le chemin qui mène à ta planque. Il doit y avoir un autre chemin. Suis-moi. Ah. Attends, une seconde. Ton plan. Kidman n'a jamais parlé de ça. Tu m'étonnes. J'imagine qu'elle a pas pu te donner les détails devant tout le monde. Par ici. Tu vas ramper en dessous, c'est ça? Tu vas prendre une tu veux une tronçonneuse? Eh, dis donc, reste pas comme ça, hein. Ça fait bizarre quand même de voir ton postérieur comme ça là. Oh. Ah oui. Ah, non, quand même, c'est pas galant du tout. Hein. Faut jamais. L'un de nous doit lever le tronc pendant que l'autre passe dessous. Ah ben vas-y, à toi l'honneur. Compris. Jamais. Allez, passe. Oh, ça va aller? Peux t'aider? Bouge si ton cul avant que je te le lâche sur la tronche. Quand tu es. Merci. Non, il n'y a pas de tortier, c'est Lara Croft, c'est clair. Tu veux faire une petite pause, papy? Ça va, je suis pas si vieux. Ah, t'as pas un petit café? Alors, pendant tout ce temps, Kidman avait un plan pour faire tomber Mobius. En fait, c'était le plan de ta femme. Quoi? Mira? Alors, c'est pour ça qu'elle est là. Elle fait partie de Mobius. C'est n'importe quoi. Va falloir se baisser. Va pas te faire un tour de rein. Lâche-moi un peu avec ça, attends. Tant que je suis derrière toi. Ta femme, tu sais. Elle est persuasive. C'est elle qui m'a recruté pour ce plan. Je comprends pas. Pourquoi elle les a rejoints? Elle a découvert qu'ils détenaient Lily. Elle savait que le seul moyen de les éliminer était depuis l'intérieur. Alors elle les a rejoints et a patienté jusqu'au bon moment. C'est donc là qu'elle était. Pendant toutes ces années. Bon sang. C'est dur à digérer. Je veux bien te croire. Mais restons concentrés. Eh ben, il n'y a plus rien là. Hein. Ah non, mais là... C'est un traquenard, c'est ça, hein. Tu voulais m'attirer ici pour me faire faire... Ah, d'accord, ouais, non. Autant pour moi. Ah, mais je pensais à autre chose, moi, déjà. Hein. Non, mais c'est sûr, hein. Faut qu'on passe de l'autre côté. Tu peux m'aider? Ouais, bien sûr. Tu me fais la courte échelle? Ah, ouais, d'accord, c'est... À moi de faire. C'est bon, je te tiens. Ouais, ça va. Et là, on fait comment? Tu me tends ta main? Hey, tu vas quand même pas me laisser là. Quoi? Tu croyais que j'allais t'abandonner comme ça? Ah, c'est... Ah ouais, dis donc, sacré détente, hein. Tu fais partie du plan maintenant. Le plan. Ok. Qui d'autre faisait partie de votre petite mutinerie? On n'était que quatre. Moi, Kidman, Mira et Théodore. Théodore? Le père Théodore?
Le père Théodore ? Le père Noël ? Moi, je l'appelle Théodore Wallace. Tu le connais ? Je l'ai rencontré. Mais il a pas envie de sauver Lily. Il la veut pour lui tout seul. Il a même essayé de me convaincre de traquer Lyra. C'est lui qui a tout fait foirer. Et... qu'est-ce qui était censé se passer ? Une fois Lily récupérée par Mira et Théodore, lui et moi devions la faire sortir pendant que Mira s'occupait de Mobius. Et Kidman devait s'assurer qu'on puisse sortir du STEM depuis l'extérieur. Merde, c'était censé être facile. Rien n'est jamais facile. Mmh. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non. Il n'y a jamais rien qui se passe bien, hein, là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah putain ! Merde ! On a des ennuis, regarde. Ah, je vois ça. C'est quoi, c'est... c'est une de tes bagnoles qui a explosé toute seule, c'est ça ? Pyramide. Ah mais c'est ça, hein. C'est l'homme pyramide de Silence Hill. Désolé pour ta planque. J'aurais pas mis ma planque en évidence comme ça. Elle est cachée. Mais il faut qu'on passe ces trucs pour l'atteindre. Tu vois la bannière rouge derrière cet immeuble? Ouais. La trappe qui mène à ma planque est dessous. Ok. Je passe devant. Suis-moi et reste à couvert. Non, okay. attends. J'ai déjà vu ces choses-là avant. N'approche pas d'elle quand elles sont en feu. Voilà, comme ça elle va pas être... elle est pas morte, mais si elle est morte. Tu vois, ça marche mieux comme ça. Ah, mais c'est l'homme pyramide que j'aurais voulu avoir, moi. Ouais. Ouais. Ok, il y en a encore un là. Non. Pas ce que je voulais faire. Voilà. Et de deux. Mais ça, le professionnel, Lara Croft. Ah, mais pour moi, c'est Lara, hein, c'est tout. Hein. Cherchez pas. Hein. Ok. Petite dose d'adrénaline. Il va me voir, hein. Oh oh! Oula, ah oui, carrément! Carrément! Il m'a pas vu, ça va. C'est bon, il m'a pas vu. Oh là, le vilain! Quel désarroi! Bah, tu comptes aller où là? Bah, décide-toi, hein! Faut se décider! Voilà. Oh là 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 là. Ça risque quand même d'être un petit peu problématique. Ouais. Marco, hein. On va passer un peu comme ça. Vas-y, là tu peux le faire, c'est bien. C'est bon, calme-toi, laisse-toi faire. Voilà mon pépère, c'est bien. Nom de nom. Il y en a un autre, hein. Je l'ai entendu. Où est-ce qu'il est? Alors là, je suis sûr qu'il y a des munitions derrière. Même pas, eh ben. Ah mais lui il est tranquille, va pas gaspiller son vêtement. Je suis passé juste là et je l'ai pas vu.
d'accord, en appuyant sur espace comme ça. On court en discrétion, on va dire. Oula, il y en a deux là. Il y en a trois. Il y en a quatre même. Bah dis donc. C'est... C'est la fête. Ah, il va se mettre en feu, ça va pas être bon ça. C'est bon, ça peut le faire. Vas-y, il va s'éteindre. Il y a l'autre qui va se ramener, ça va pas être bon ça. Ok, non, c'est bon, ça peut le faire. Vas-y, éteins-toi. Éteins-toi, tu peux le faire, vas-y. C'est bien. Hier. Yeah. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? J'en prends un, t'en prends un? Tu décides quand même à faire quelque chose ou pas? Ils sont en train de prier. On va attendre, voilà, patiemment. Il faut que l'autre aussi, mais il faut qu'il s'éteigne aussi l'autre. Hein. Ouais, parce que si les deux sont en feu, je suis sûr que ça va pas marcher. Allez, éteins-toi. Voilà. Ah, tu peux pas te charger de lui à côté? Non. Voilà, c'est bien. C'est bon. Elle l'a distrait. Bon. Ouais. Lara, hein, tu... Ah. Ah là 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 là. Elle fait ce qu'elle peut, on va dire, hein. Il doit toujours faire tout le travail, et c'est ça le problème avec les dames, avec les demoiselles. Bon voilà, on a tout détruit. T'as vu ça? Sans encombre. Ah. Non mais, vas-y, monte, voilà. Oh oh. Pochette améliorée, fusil de précision. Ça va, ça va. Pas trop mal. J'aurais préféré pistolet, mais ça va. Bon, ben c'est parti. Il y a le drapeau rouge. Hein. Voilà, elle nous a dit le drapeau rouge. On y est. T'as vu ça sans encombre, hein? Quand même. Eh. Non? T'es pas. Même pas un petit mot? Ouais, je suis trop contente. Non, même pas. Ah là 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 là. Bon, l'essentiel c'est le résultat. J'avoue que je m'attendais à un peu plus de discrétion. Attends, tout est passé comme dans du beurre, non, quand même. Dire, elle a l'habitude, elle. Et ouais, si c'est Lara Croft, normal. On n'est jamais mieux que chez soi, mais une planque, c'est pas mal non plus. Bon, prends pas peur à cause de la quantité d'explosifs. Ils sont inoffensifs, du moins jusqu'à ce que je les arme. Oh, heureusement que j'ai regardé là-dedans. Je peux me servir, hein, quand même, ben oui. C'est du C4. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Théodore? J'en sais rien. Il est complètement fou. Son repère semble tout droit sorti de l'Inquisition. Je devrais être soulagé que Lily soit avec Mira plutôt qu'avec lui, mais... Quoi? Lily est avec Mira? Ouais, mais je suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir. Elle est... différente. Cet endroit semble l'avoir affectée. Elle se cache pour protéger Lily de Théodore. Et il reculera devant rien pour les trouver. Si j'arrive à l'arrêter... Peut-être que Mira retrouvera ses esprits et qu'on pourra sortir Lily de là. Ouais, non, alors, pas sûr. Tu veux tuer Théodore? Ouais. Mais il va d'abord falloir le trouver. Comment tu comptes t'y prendre? O'Neill devrait pouvoir m'aider. Je vais l'appeler. Mais il faut d'abord que je prévienne Kidman. D'accord. Mais fais gaffe à ce que tu dis par communicateur. Elle est sûrement dans la salle de contrôle avec ce serpent qui lui tourne autour.
Sébastien? Où étiez-vous? Vous avez trouvé Stefano? Mieux que ça. Je l'ai éliminé. Bien. Et Lily? Elle m'a échappé à nouveau. Je suis désolée. Vous avez une piste? La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré l'agent Torres. Ces informations ont été précieuses. C'est une bonne nouvelle, en effet. Quelle est la mauvaise? La mauvaise, c'est que quelqu'un de plus puissant que Stefano veut prendre le contrôle de cet endroit. Ah, c'est le Père Noël. Il a besoin de Lily. Torres m'a dit que vous le connaissiez. C'est un sacré beau parleur. Bon sang, je crois que je vois de qui vous parlez. Je vous envoie quelques trucs utiles dans votre salle. Tenez-moi au courant. Vous savez que je suis là pour vous. Je sais. J'ai confiance en vous. Bon. Il est temps de passer aux choses sérieuses. O'Neill, c'est Sébastien. Répondez. C'est pas normal. Je vais essayer de le trouver. Toi, tu restes ici et tu prépares tes armes et tes explosifs. J'aurai besoin de ton aide quand j'aurai localisé Théodore. Je peux accéder à la moelle d'ici? Ouais, il y a un ordinateur de Mobius dans cette pièce. Il t'amènera à la sortie 72. Super. Je t'appelle quand je suis prêt. Bonne chance, Torres. Ok. Bonne chance à toi aussi. Ah là là là, faut repartir dans la moelle. Mais ça, je sens que ça va pas être bon. La reconnexion. Bon, ça sert à rien de prendre un café, on est déjà pratiquement au maximum. Hein. Je vais aller faire ça, mais bon. Ça sert pas à grand chose au final. Oh oh. Il y a plein de matos ici, dites-moi. Le journal de Tour de Dara Croft. Voilà. Poula. L'écriture de ce journal est propre et semble appartenir à une femme qui s'appelle Les Deux Pistolets. Le Pistolero. Voici ce qui a été écrit en dernier. J'aurais bien voulu faire sa voix, mais ça risque de pas être possible. Je ne... Allez, je vais essayer. Non, je suis désolé. Je ne sais pas depuis combien de temps j'attends le retour de Mira et de Théodore. Le temps est un concept particulier dans le STEM. Steam. Encore plus depuis que Lily s'est enfuie. Tout ce que je sais, c'est qu'il devrait être déjà rentré. Si je meurs ici, je veux juste que la personne qui trouvera ce journal sache que je suis venu de mon plein gré. J'ai fait quelque chose il y a longtemps, quelque chose que je regrette. Et c'est pour ça que je suis là. Maintenant, et à essayer de faire sortir Lily d'ici, c'est ma dernière chance de rédemption. Et peut-être ma chance de recommencer à zéro. Dans tous les cas, je m'en tiens à ce plan. J'enverrai le bout, quoi qu'il arrive. Mais il est évident que quelque chose a mal tourné. Si c'est le cas, je ferai bien de chercher de l'aide, comme l'a dit Kenman. Mais cet endroit sombre. Cet endroit s'effondre tout autour de moi. J'espère que je le trouverai, si jamais on l'envoie à l'extérieur. Bien. On va sauvegarder, puis ma foi, on va s'arrêter là. Hein. Je pense que derrière, c'est le Steam. Non, c'est pas là. Ça alors, ah bah oui, je vais quand même prendre la caisse et on est à 1h20 donc ça devrait vous faire 1h pile. Donc 2-3 petites coupures, enfin quoi qu'il y ait, il va pas avoir grand chose en coupure. Hein. Ouais, il va pas avoir grand chose en coupure parce que finalement il y a eu pratiquement que de l'action et pas du. Ouais, bon bah tant pis, vous aurez un épisode de 1h et des poussières. Voilà. Quoi de mieux? C'est juste que ça va être super long pour moi d'envoyer ça, parce que ça va faire du 40 gigas. Ouais. 40 gigas sur YouTube, c'est quand même long. Hein. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur un autre épisode hier. Yeah.